délivrer personne de la sorcellerie, c'est une victoire de Dieu sur Satan. Amen. Alors la Bible dit qu'un pécheur se répand sur la terre, les anges sont heureux dans les ciels. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait à ta mère? Et quand ils l'ont lissé, ils ont demandé sa première mission, c'était d'abattre sa mère, n'est-ce pas? De tuer sa mère. Hein? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as fait à ta mère? Je l'ai tout fait. Tu l'as tout fait? Oui. Je couche avec elle. Tu couches avec elle? Oui. Tu avais un kiki avant? Oui. Et 1,5 mètre, ou bien c'est 1 mètre? Oui. 1 mètre. Tu faisais comment pour. Le kiki faisait comment pour venir? Tu prenais du sang. Quoi? Tu prenais du sang. Tu sais que tu choques. Je suis encore dans les chocolats, je parle bien. Je prends du sang. Mm-hmm. Je le mets dans ma peau. Dans ta peau. Je la mets sur ma partie intime. Ça, on ne peut pas traduire ça. On ne peut pas traduire. Tu mets ta partie intime, hein? Oui, et j'écris pousse. Ah, pousse. Et puis, tu couches avec elle. Oui. La première. On appelle ça insecte. Et le diable te poussait, et donc il te poussait, tu n'aimais pas ta mère, n'est-ce pas? Tu n'avais pas l'amour de la mère. Oui. Et maintenant ça va? Oui. Ça va beaucoup. Vous avez assisté à la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maman, il n'a pas vu, d'accord? Il n'a pas vu maman, tout ça, c'est bon. C'est ce que j'essaie d'expliquer hier. Ta mère a souffert de 9 mois de grossesse, douleur de l'enfantement, et puis bizarrement, les sorciers ont vécu la vie, mais maintenant ça va. Elle a été délivrée hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et c'est fini. Tu es totalement délivré. C'est maintenant que tu vas servir Dieu. Chacun a sa spécialité. Ils sont passés de partout. Ici, c'est le terminus. En moins d'une heure, elle a été délivrée hier. En moins d'une heure, c'est la puissance de Dieu. Ne mange plus. Si tu vois braiser, passe. Même si on t'appelle pour dire viens. La sauce gombo. D'accord? Après prêter seulement une bouteille. C'est maintenant. Voici la partie importante du ministère. 1. Elle a fait des aveux. Elle a parlé. Ok. Parce que les aveux ne délivrent pas une personne de la sorcellerie. C'est pour ça que les gens vont, ils parlent, ils vont parler des gens. Mais ils ne les délivrent pas. Et puis ils parlent, ok, c'est fini. Il y a un démon. Il faut l'affronter, il faut affronter le démon et chasser le démon. C'est ce que nous avons fait hier, ok? La dernière étape, la personne doit prêter serment. J'explique. Il y a ce qu'on appelle le pacte et puis le serment. Quand un président de la République, c'est les urnes, n'est-ce pas? Il vient, on dit l'ordination du président de la République, il prête serment, n'est-ce pas? Devant Dieu, or le serment, il prête devant Dieu. Les pactes avec les esprits. On peut rompre un pacte, mais pas un serment. C'est pour ça que les gens disent non. C'est pour ça que quand tu passes ici, que tu as été délivré de la sorcellerie, et quand on t'a fait prêter serment, tu retournes à la sorcellerie, tu meurs. Dieu nous a donné cette révélation. C'est ce qui nous rend efficace dans le travail. C'est pas parce que non, j'ai pas cherché Crasso, non. C'est parce que toi-même tu as prêté serment. Et tu as dit, le jour où je retourne à la sorcellerie, que je meurs. La Bible dit que ce n'est pas ta parole que tu seras condamné, c'est ta parole qui te justifiera. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Or, la parole est une semence. Oui. La partie sacrée du ministère, ce que nous avons fait tout à l'heure, elle prêtera serment devant Dieu et les hommes. Le jour où je retourne à la sorcellerie. Ce sont quelqu'un, même les médecins, quand ils font la soutenance, ils prêtent. Je jure devant les hommes et devant Dieu, même l'armée, ils le font.
C'est ça, quand quelqu'un joue avec ça, la personne meurt mal. On joue pas ça. La bouteille eau. C'est la partie sacrée de la chose. Une fois, elle a fini, qu'on a versé le ciel, c'est fini. Vous savez, quand Dieu t'appelle un ministère, il te donnera le, ce qu'on appelle le réma. Et ça, c'est l'huile. Ça a été consacré, on appelle ça l'huile d'onction. Voilà. Tu vas maintenant parler. Et ceux, tous ceux qui se sont amusés avec ça sont morts. On a connu un monsieur qui est venu jouer ça. Lui, il est venu, il est sorti, il est venu du Lakota. Il a acheté des bouteilles. Il dit, quel est le pouvoir qui est dedans? Il achète du bois. Il allait à Zaroko. Il a acheté. Il a fait un cercle entre Zaroko et le village de Bako. Il a commencé à faire des incantations pour détruire. Il est né fou. On a envoyé ici. Il allait mourir après. Vous l'avez vu ici, non? Vous l'avez vu ici? Vous voulez jouer? Vous voyez ça comme druide. Vous voyez ça comme druide. Oh, druide, c'est ce qui fait beau photo. C'est pas druide, hein? Pas voir ça comme druide. Si tu as vu ça comme druide, tu as mouru. On appelle ça huile d'onction. Pas druide. Oh, lui, il a vu ça comme druide. Il a bu. Tu as cherché, tu as trouvé. On cherche, on trouve. Les gens viennent pour se soigner. Toi, tu veux démystifier ça. C'est pour ça que ne jouez pas ça. Amen. Ne jouez pas ça. Moi, je l'utilise. J'ai une dame qui est musulmane. Elle est togolaise. Elle est musulmane. Elle a commandé ça depuis la France. Et sa mère était malade. Elles sont venues en vacances au Togo. Elle a dit à sa nièce, pour masser ma soeur, ma maman avec. Sa maman, elle a commencé à masser sa nièce, à masser sa maman. Elle masse sa maman. Et puis, elle commence à perdre la vue. Pendant qu'elle masse sa maman, elle perdait la vue. Et puis elle est tombée. Comme elle ne connaît pas. Elle est musulmane. Elle ne connaît pas. Délivrance. Elle a commencé à paniquer. Et puis elle a réfléchi. La fille, elle est tombée. C'est les aveux. Donc elle ne comprend pas. Et puis elle dit, c'est lui qui pourrait. Amen. Et puis elle monte après. Cette fille. Ça là, c'est efficace, hein. C'est consacré. C'est consacré, ce que vous voyez. C'est très consacré. C'est ce qu'on a fait à Zaroko. Puis les gens voyaient le feu partout. Faites consacrer votre famille. Faites consacrer vos familles. Alléluia. Il faut que vos villages soient consacrés. Et ça, c'est important. Une fois le village est consacré, c'est fini. C'est fini. Tu vas parler. Le bon Dieu et les hommes. C'est comme le baptême. Le baptême, ça ne se voit pas. Mais c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu et des hommes. Lève la main. Le jour où tu retournes à la sorcellerie. Le jour où je retourne à la sorcellerie. Mm-hmm. Qu'est-ce qui doit t'arriver? Je mourrai. C'est ta parole qui te condamnera et c'est ta parole qui te justifiera. Je sais cette parole sur ta vie. Le jour que Dieu prendra la sorcellerie, que le châtiment de Dieu s'abatte sur ta vie. Au nom de Jésus que j'ai prié, amen. C'est fini. Je suis sûr que le jour elle-même, elle retournera la sorcellerie, elle va s'enfler. Là, c'est le signe. Si elle a commencé à s'enfler, mamie, l'eau qu'on verse en ramasse plus. Ou bien? Une grosse femme, elle est dans un village bouclier. Elle a parlé à tuer les gens, elle a tué les gens. Elle est venue, elle a parlé. On a envoyé l'huile. Elle a prêté serment. Un mois après, elle a commencé à tomber malade. Elle s'est enflée. Et puis elle a fait des aveux. Je l'approche, elle l'a envoyé vers moi. Elle dit non, elle un jour, elle a un machet avec Akiki. Elle avait Akiki, mais un machet. Et puis, on faisait poc au fou.
Et puis les gens l'ont appelé. Les membres de sa compagnie ont dit, mamie, viens. Viens, voici à qui tu as dans ta main. Là. On a compris, c'est viande. Amen. Et puis ils l'ont servi. Elle a mangé. Qu'elle a mangé. Allez-y, va t'asseoir. Elle dit, allez s'asseoir. Alléluia. Donc elle a mangé. Elle dit, c'est pas moi. Où. J'ai marché. Et puis ils m'ont dit de venir. Elle dit, mais tu sais pas dire non. Ils t'ont rendu un service parce que la kéké s'accompagne la viande. Pourquoi tu peux marcher là-bas où on ne devait pas partir là? C'est là-bas tu marches à bout de la kéké, à Boyama. Amen. Amen. C'est là-bas tu allais marcher à bout de la Boyama. Mais moi, t'as appelé, on dit, mamie, je sais que tu as fait, viens accompagner. On a pas s'accompagner. Elle a commencé à s'enfler, et puis elle est morte. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Toi, tu as dû, ok, on a accepté. On a accepté que tu sois délivré. Tu as parlé. Et puis tu retournes avec quelqu'un à Boyama là-bas. Tu marches avec quelqu'un à Boyama. Mais tu vas mourir. Elle est morte. Elle est en train de faire dire non, tu te sais, il est moi. Moi. Demandez à Dieu de te guérir. On va vous recevoir. La journée est pleine. Hein, jusqu'au soir, je suis là. Je suis apprêté pour vous recevoir ben, toute la journée. Je suis déjà prêt. Toute la nuit, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, je suis prêt. On va vous délivrer, on va prier pour vous toute la journée, jusqu'au soir. Bien, monsieur. C'est toi qui joues les grands, 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 grands. Ça va? J'ai vu sorcellerie hier, mais à dimension. On appelle ça haut de gamme. Haut de gamme. Ça va, petit? Vous comprenez, il ne faut pas moi comprendre les gens. Je vous prépare déjà. Vous comprenez? Et quand vous écoutez une personne qui dit on m'a initié, ça doit vous désarmer. Dans tout sort de procès, parce qu'on n'aime plus condamner les gens. Ah, c'est qui dit, même si on l'a initié, il a gâté. Même si on l'a initié, il a mangé. Et si ce n'est pas tout ce qu'il a mangé, j'ai... Ok. Nous voyons même les sorciers comme des victimes. Souvent on dit pour le prophète, tu exagères. Quelqu'un qui a tué les victimes. De quoi? Victime parce qu'on a donné quelque chose qu'on ne doit pas donner aux enfants. Qu'on ne doit pas donner une personne, la sorcellerie. Or, quand tu rentres dedans, se laissant bien garder les secrets. Alléluia. Quand on est dans la sorcellerie, on garde secret. On ne s'accuse pas ça. Et quand on a la sorcellerie, on détruit, on capte. Tu veux. Mais pourquoi c'est le seul vêtement qui n'est pas détruit? Hein? Je change. Ah! Tes parents sont là. C'est l'amour. Si on peut t'empoisonner, tu te tues, ou bien? Parce que les gens veulent que tu sois délivré. Qui t'a envoyé ici? Et souvent qu'on apprend des choses en tant qu'humain, ça nous affecte. Touche. Ça peut prendre 2 jours, 1 semaine, même 1 mois, même 2 années. Nous sommes des êtres humains. Mais il y a un élément, en tant que chrétien, c'est le pardon. Alors le pardon, c'est quelque chose, c'est terrible, c'est fort. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a fait en regardant Judas, le sorcier. Il a manifesté l'amour. Sachant que ce monsieur devait le livrer, il a manifesté l'amour. Madame, viens. Adieu. C'est ça? Aïe, aïe, aïe. Ah ah. Tu vois? Tu es délivré. Le petit là, il est venu entrer en elle. Elle a vendu les sorciers. C'est ça, ils ont la vie de dimension de sorcellerie. C'est comme ça. J'explique. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous expliquer pour ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous expliquer
comprends. Le petit, il veut tuer le délivreur. Voilà, donc il a fait des incantations. Et puis il allait tendre un piège à la porte ici. À 5h du matin, je m'apprêtais à venir, puis j'ai vu. J'ai vu la chose, puis je suis resté. J'ai appelé même à la direction. J'ai dit, je reste. Je ne veux pas venir, continue de prier. Le temps de gérer le dossier, quand j'ai fini le dossier, je suis venu. Et puis j'ai mis la main sur lui. Or, quand il a fini l'opération, c'est vrai, il ne pouvait pas rentrer dans d'autres personnes que celle-là. Quand vous venez, si vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Dieu vous protège. Amen. Amen. Voilà, Dieu vous protège. Là que vous rentrez. C'est-à-dire que dès que vous rentrez ici, on vous exige l'onction du Dieu. Pas... Voilà, parce que quand tu ne fais pas ce bain, les regards sont encore sur toi. Vous êtes ici parce que vous êtes victime. Or, quand tu as commencé à être victime de la sorcellerie, ils ont les regards sur toi. Ils ont placé une puce sur toi. Pour être à l'ombre, ils ont l'œil sur toi. Ils voient tous tes mouvements. Quand on commence à verser l'huile d'onction sur toi, ça brille tout leur radar de contrôle. Ça, c'est important. Or, eux, ils n'ont pas encore fait ça. Donc, elle trouve tout bon de rentrer à elle. Là, comme ça, si moi je viens, c'est pas lui qui voit, c'est elle. Or, il a mal pris. Je viens, il dit petit, viens. Les petits, je t'entends de faire. Il faut arrêter ça. Ça, il est très dangereux. Elle a été délivrée. On a été obligé de chasser l'esprit. Elle aussi était sorcière, une embouteuse. Et puis aussi, elle a été délivrée. Amen. Nous allons procéder tout à l'heure à sa délivrance. Ça va? Tu as 19 ans, tu ne vois même pas tes menstrues. Oh, là, un baleine mystique qu'elle a caché dans son sexe. Quand on voit, il fait qu'elle détruit, grossait des gens. Quand tu es enceinte, elle voit fœtus là, elle attrape, ça fait paf comme œuf dans sa main. Ça va? Ça va. Et quand sorcellerie t'a rendu bizarre, bizarre et bizarre. Ça agit sur votre corps. Moi, je pense à une fille kenyane, une coureuse kenyane. D'avoir bon mari, hein? Il va même, lui, il va avoir mari. Il s'est marié, il avait foutu, sauce aubergine à ton mari, et tu auras des enfants. Hein? Enfin, combien? Il a combien? Lui, combien? J'ai deux, trois. Toi, t'es bon. Vous savez. Toi, tu penses à la Côte d'Ivoire. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Trois, c'est bon. Là, si on fait deux, un, on peut aider la Côte d'Ivoire. Ça va? Tu vas avoir l'argent. Tu veux l'argent? Amen. On peut délivrer du tuile. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Maintenant, ça va, tu dors bien. Oui, papa. Tu dors. Oui, papa. Ils ne sont pas de ton corps. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. C'est le témoignage de ce monsieur qui est évangéliste. Que les parents suivent pour délit. Elle est dans le même campement que le monsieur. Il est venu maintenant évangéliste. Nous l'avons formé, ça fait 2 ans. Le plus grand sorcier de son village. Il aimait bien sur sa rachide. Elle foutu Yam. Il a endeuillé sa famille. Ils l'ont chassé du village. Il dit, monsieur, hein, va, quitte le village. On ne peut pas quitte. Et puis on l'a délivré. Il arrive à Zaroko, il m'attaque. Il veut manger le délivreur. Et le délivreur l'a délivré. Maintenant, il fait partie de notre ministère. Et c'est une victoire. Et ça, c'est important. Lui-même, il rend témoignage. Il a aussi trop de secrets. Et ça, c'est important. Quand vous prenez un élément du diable, vous
Donc tous les secrets. Les tuer pas parce qu'ils parlent avec des choses. Ceux qui maîtrisent les secrets de votre famille, ce sont les sorciers. C'est que vous savez pas? Pendant que vous dormez là, lui il sait rien que tu vas avoir l'argent demain. Il sait. Il sait que dans 2 ans tu vas voyager. Il sait ça. Ils ont ce don là. Envoyez-les ici, nous allons les délivrer. Comme ça la Côte d'Ivoire sera bénie. Ça va? La dernière fois tu avais parlé, c'est ça? Tu as fait quoi et quoi et quoi et quoi? Pas le pont. Mon papa, il est où? Venez, c'est pour juste prier pour vous. Où c'est pas papa, c'est maman. Vous savez? Tu vas programmer, ton père. Il y a deux où il est sur le sol. Hein? Prends la vidéo. C'est le sol. Tu le tues, il y a qui doit trouver? On dit que le tuer, c'est bien, c'est moi, il n'y a pas de pied. Pendant qu'on veut y avoir, les oreilles le voient. Qui t'a blagué? Ma grand-mère. Moi-même, quand j'ai perdu mon père, c'est prêt, non. Quand on a fini l'enterrer, je suis même allé en France, j'ai vu. Papa, on va le remplacer. Où bien? On ne peut pas remplacer un parent. On ne peut pas remplacer un parent. Ce n'est pas le même amour, les gens ont fourni. Mets ton nom. Non. Je ne sais pas. C'est à cause des biens. Toi, tu es un vieux. Il faut programmer déjà les bouteilles, lui. Voilà, c'est pour régler un problème. Vous le savez déjà. C'est pour juste régler. Qu'est-ce que tu as fait sinon? Je suis en argent de café. Et puis le programme aussi. La première quand? Janvier, au 1er janvier. L'heure, il y a 1h. 1h du matin. C'est lui là, tu as séparé avec sa femme? Non, c'est l'autre. Alors? Il n'a pas fait ça aussi. Ok. Je vais bien vous dire. Cette action, toute barrière invisible, prison, et nous déprogrammons cette vie. Nous déposons à jamais la mort dans la puissance que nous avons de Jésus. Nous te communiquons ce matin la vie. Nous te restituons tout ce que le diable t'a volé dans la puissance qui est dans le sang de l'amour. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ sur la mort et sur les œuvres du diable. Nous te déclarons béni ce matin au nom de Jésus. Sio na mio, sio na mio, sio na mio.
puissance de la vie de Jésus. Tout ce qui a été programmé sur ta vie est annulé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons toutes ces manches démoniaques dans ta vie au travers de cette action selon Jacques 5, le verset 14. Si quelqu'un est malade, il appelle le responsable de l'église pour prier pour lui, en loignant lui dans le nom de Jésus-Christ. Au travers de cette action prophétique, nous délions ta vie et nous te proclamons délivré ce matin dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Lâche-le. Serpent, gros serpent, allongé, rampe et quitte ce camp, rampe et quitte. Dans le nom de Jésus. Va-t'en. 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 C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Et c'est une lutte entre l'esprit de Dieu et l'esprit du mal. Le démon a fait de ce corps son habitation.
Et il doit partir. Et s'il n'est pas parti, la femme demeure changée. Vous allez pour le faire tourner dans le camp de prière. Et que les démons sont pas quitter le corps de cet enfant, il reste sorti. Lâche-le. Dis à quelqu'un n'ait pas peur. Va bah lâcher ce corps. Vous allez retrouver votre enfant libéré, sans danger. Lâche-le. Lâche-le.